Alors Félicie Mazou, vous commencez, on va dire, le travail, si on peut dire ça comme ça, le mois prochain Sporting de Charleroi. Vous sentez en confiance pour ce début de saison? Oui, tout à fait. Je pense que c'est un paramètre important d'arriver ici avec de la confiance. Je suis en train de rencontrer pas mal de monde assez souriant. Donc c'est une aventure qui m'est déjà assez excitante. Ouais. Qui plus est, vous êtes Carolo, vous êtes originaire du Pays Noir. Ça vous fait plaisir d'être de retour à Charleroi? Oui, je pense que c'est un rêve, c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose de très fort de revenir au plus haut niveau dans sa ville et dans son club. C'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on peut considérer votre arrivée au Sporting de Charleroi comme une concrétisation du travail, je veux dire, en Division 2? Est-ce que c'est vraiment, on va dire, voilà, une récompense de tout le travail que vous avez accompli? D'une part, je pense que c'est effectivement une récompense que j'attendais depuis un certain temps. Mais d'autre part, ce n'est pour le moment, j'en suis au stade, je n'ai signé qu'un contrat. Donc je n'ai encore rien montré, j'ai encore rien prouvé. Donc c'est, dans ma tête, c'est encore une étape. J'espère que dans 10 mois, je pourrai vous faire une interview en vous disant, maintenant je peux dire que c'est un aboutissement. Est-ce que justement, vous n'avez pas plus de pression peut-être en venant de Division 2, peut-être plus de choses encore à prouver qu'un autre coach qui viendrait de Division 1? Est-ce que vous le ressentez ça? Écoutez, il y aura certainement une certaine forme de pression, il y aura certainement le fait que les gens seront un peu moins, comment je peux dire ça, moins souples avec moi, mais je peux comprendre cet état de fait, c'est à moi à prouver que je suis bien à ma place et de faire des résultats. Mais de toute façon, la pression, elle est bonne pour avancer, elle est bonne pour faire des résultats. Je pense que c'est la même chose pour les joueurs, pas trop, mais un peu c'est bien.